Les spécificités de la géologie de Cusa de Forcauquier fins à Ate dans la Vaucluse est que l'on sait où est fait des safres, une formation qui date d'au tertiaire. Une bonne partie de des provinces est une mare. Il y avait force arène qui sédimentave. On a créé au dépôt qui est Sablounus, donc qui devient le Sablon, c'est donc cimentaire mais d'argile. Donc le safre est une mescladisse argile-silice. Et donc, le safre a gagné des solidités, mais pas même. Donc, il y a 10 vertus. Alors, la première, donc, c'est Kava, comme ici, donc, sans ce problème. Et ce Kaduna, et Melouten, une mène d'emplé. La ville de Forcauquier, tout utilise au stade de la vieille ville, sont émis des crottes qui sont cavades dans le safre. Alors, à qui s'y est le stade de la famille d'Astier, qui est donc une famille de consuls qui a fait bastille à quelle merveilleuse bastille dans le centre de Forcauquier, à l'âge Seigen. Et monte est fort intéressant de voir comme l'imaçon de l'époque a impliqué les techniques, les vertus du safre, s'est servi de la possibilité de cavare des dents sans difficulté, d'y donner les formes qu'ils voulaient et surtout en faisant une économie de la paire, parce que justement il y a tellement de safres d'un partout. Le maître maçon Cabastiacor connaissait donc les limites donc de pouder de porter le stau. Et donc ici les forces qui vont cala jusqu'ici dans la crotte sont tellement fortes qu'ils demandaient de compléter à corps et même pédrer. L'intérêt du safre est donc la possibilité de faire quand on a bien l'enveja, quand on a bien le besoin, ce que vous voulez. C'est tout cas via que la reine verrait que est force baignade, donc semblable que tout est juste venu de tomber d'aigle. Et pas même ici, tombe pas d'aigle. Donc, à quelle propriété de conserver l'humidité. L'humidité est importante qu'autrement le safre se dessèque et se transforme en arène. Les maçons qui ont la connaissance du bâtiment et de la répartition des forces, ici, vont faire des crottes qui sont complètement dignes le safre, donc des crottes qui sont en la forme de la voûte, parce que la répartition est bien juste et donc il n'y a pas de déformation. Et pour maquer ou ça préfère, la crotte est force résistante. Alors, si on monte ici à la pointe des Forcauquier, à Notre-Dame des Provinces, et ici, le safre est encapuchonné, une lose de molasse. Et donc, elle est bien calcaire, mais force fossile, dedans. Et donc, c'est une paire force dure. Et donc, qui n'accepte pas d'être plégade en fonction des mouvements du safre. Le safre donc, est en train de complètement de se dessécher et de revenir d'arène complètement mouligasse. Et la kélolose est en train de se pléguer. Et la particularité est qu'au milieu de la kélolose, qui est donc, toute pétade, dirais, donc, il est posé de la Notre-Dame de Provence. Et donc la capelle est en train de se durbir. Alors, encore, donc, pour arrêter tout à coup, la commune a monté des parets de pierre pour soutenir la lose de molasse qui est plus posée sur le safre qui s'en va. Dans les années de 12000, il y a eu une grande sécheresse. Le safre a pâti et les vôtres ont commencé à décider d'urbi. Pour survivre tout à coup, on installa des indicateurs de niveau. Le problème d'instabilité s'est posé pour eux dans la vieille ville, partout quand le bastille d'au siècle XIIe au siècle XVIe.